Lors d'un entretien accordé à Téléstar, Hervé et Stéphanie ont partagé quelques détails sur leur aventure dans l'amour et dans le pré. Une expérience enrichissante sur laquelle le jeune couple a dévoilé quelques détails candidats emblématiques de la 16e saison de L'amour est dans le pré sur M6, Hervé a visiblement marqué les téléspectateurs par son charisme, son histoire mais également par ses histoires de galipettes. En effet, récemment face aux caméras de l'émission, l'éleveur de vaches s'était confié, en toute transparence, sur sa toute première nuit d'amour. Un moment marquant pour l'agriculteur sur lequel il est revenu auprès de nos confrères de Téléstar durant son entrevue, l'agriculteur de 43 ans et sa belle prétendante Stéphanie ont un peu plus détaillé leur fameuse nuit d'amour, faite durant l'émission. Ce sont des sujets dont la plupart des gens n'osent pas parler. Nous, on est ouvert à tout, sans tabou, a d'abord indiqué Hervé, avant de poursuivre au sujet de son idylle, non sans humour, notre entente est beaucoup basée sur l'humour, et on aime bien casser un moment romantique par une taquinerie. Quand je lui dis quel ronflot qu'elle dégage la nuit, ça n'est pas méchant. Et puis, c'est la vérité. Ce à quoi l'aide-soignante de 40 ans a ajouté d'autres détails, je me disais que ça ne serait peut-être pas facile pour lui. Mais on en avait parlé, je lui avais dit, on ne le fera que quand tu seras prêt. Quand il m'a dit qu'il était prêt, on y est allé. Et il m'a prouvé qu'il n'avait pas menti. Pourtant, lors du bilan face à Karine Le Marchand, l'ancienne rivale de Vanessa avait précédemment partagé ses doutes au sujet des performances intimes de son compagnon. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense, on va dire. Je me suis dit, si c'est comme ça à chaque fois, je vais être usée au final non, avait indiqué Stéphanie à l'animatrice. Une inquiétude vite balayée à en croire ses propos.